soir. Bonjour à toutes et à tous avec Mr. Rusty Business derrière un superbe tableau fait main. Fait main, voilà, devant vos yeux ébahis et puis je vais me mettre à l'aise parce qu'au final on n'est pas des bêtes quand même. Oh là là, d'ailleurs en parlant des t-shirts parce que nous ne sommes pas des bêtes. Alors messieurs, dames qui avaient commandé des t-shirts, merci. Alors ils sont commandés, ils sont fabriqués, on va les récupérer samedi. Et donc, envoie samedi si la poste n'est pas fermée, ou sinon lundi au plus tard. Donc, vous les aurez pour la fin de semaine. Et on avait reçu un message sur Twitter qui allait à un monsieur qui a commandé le t-shirt et qui va faire une conférence et qui veut le porter parce qu'il fera la conférence vendredi prochain. Mais je lui ai dit, conférence. Ça veut dire quoi qu'il fera la conférence? Il fera une conférence, je ne sais pas. Il m'a dit qu'il allait faire une conférence. En mode GSP qui prend sa retraite. Et, exactement, il va faire une conférence, enfin un talk, quoi, un TED, je ne sais pas. Vendredi 29, tu auras ton t-shirt le vendredi 29 si la poste ne fait pas. Ouais. La poste fait son taf, quoi. Exactement. Alors, donc aujourd'hui, on va parler du TJ Dillashaw. Avec Monsieur Ross, TJ Dillashaw, qui s'est transformé en TJ Pikachu. Pourquoi ? Parce que TJ Dillashaw a été contrôlé positif le 19 janvier. Et donc, c'est très drôle, parce que si on fait des vannes rétroactives, et ben on se rend compte que notre cher Cody Gabrand, qui disait qu'il a appris à toute la team Alpha Main à se piquer, ben peut-être que ce n'était pas des conneries. Enfin bref, alors mon cher Ross, moi, pour ma part, je suis dévasté, parce que TJ Dillashaw, je l'apprécie énormément. Pour moi, c'est un des plus grands. Mais là, bon, c'est une vraie suspension. Un an pour le moment par la commission athlétique, jusqu'à deux, suivant ce qui va se passer. Ça sent mauvais. C'est une vraie suspension et une énorme suspicion aussi, quand même. Parce que c'est vrai. Ouais, j'y pense, je le fais comme ça. Mais parce que c'est vrai qu'on a eu quand même. Il faut commencer par la présomption d'innocence, quand même. Parce qu'on a eu des cas. On pense à Tim Means, on pense à Yoel Romero qui a eu des suppléments teintés. On pense à John Jones. J'en étais sûr. Toujours l'escalade. Non, Junior Dos Santos. Franck Mir, Junior Dos Santos. Donc. Prudence et mère de sûreté, et il est possible que ce soit des suppléments teintés ou quelque chose. On ne sait pas ce que nous réserve l'USATA, qui a un peu perdu de crédibilité ces derniers temps, on ne va pas se le cacher. Cela dit, visiblement, il est parti pour un an de suspension. Il a dit qu'il allait lâcher sa ceinture et l'UFC va l'accepter. Donc ça veut dire que là, en revanche, ça sent quand même le très très sérieux, et il sait, Dillashaw sait visiblement que ça sent le très très sérieux. Donc, effectivement, ouais, les vannes rétroactives, le TJ Turinashaw, truc comme ça, bah, finalement, c'était peut-être pas infondé. Très, très franchement, c'est la première fois que j'entendais ces rumeurs à part de Cody Gabrant à propos de la team Alpha Male. Je savais même pas qu'il y avait ces rumeurs qui circulaient comme quoi bah, ils se piquaient un peu au supplément mexicain. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir les conclusions du rapport de l'USADA si jamais ils les sortent aussi. Exactement. En tout cas, bon, pour la division bantamweight, c'est sympathique parce que notre cher Polly Domso serait très ravi, extrêmement ravi, puisque, eh bien, Marlon Moraes va, selon tout vraisemblance, avoir droit à son title shot, donc un des mecs les moins bankable du game avec Rafael Assunção, qui a même battu Rafael Assunção avec la manière, va avoir droit au title shot selon toute vraisemblance, et ça fait plaisir parce que l'UFC, là, voilà, avec l'absence de TJ Dillashaw pour au moins un an, va être obligé de faire avancer la catégorie bantam. Donc, on est d'accord que c'est Marlon Moraes qui aura le title shot. Ouais, Marlon Moraes, c'est quasiment certain, il le mérite le plus. Oui. Après, c'est vrai que tu disais Rafael Assunção, je pensais aussi du coup à Pedro Munhoz. Ah non, Assunção, moi je disais dans le sens, avant Marlon Moraes, c'était un peu le mec qui le méritait jusqu'à ce qu'il se fasse battre par Moraes et qu'aujourd'hui, bah, il est hors de la course. Mais je veux dire, ça fait partie des mecs qui, sauf truc de ce type-là, n'a aucune chance d'avoir le title shot parce que tout le monde s'en branle. Parce que tout le monde s'en branle, voilà, c'est vraiment la loi de la bankability. Alors là, tous les gens qui n'aiment pas nos mots anglophones vont nous détester, mais c'est vrai que là, Assunção, qui n'est donc pas quelqu'un d'excitant et qui n'est pas quelqu'un que les fans casual connaissent parce qu'il n'est pas spectaculaire, selon toute vraisemblance et selon la logique marchande de l'UFC, n'aura pas de title shot. À l'inverse de Pedro Munhoz, qui vient de sortir d'une guerre nucléaire contre Cody Gabrant, oui. Très franchement, je n'ai pas là tout de suite en tête quels sont les autres contenders parce que Cruz est blessé. Moi, je pense qu'ils ne vont pas attendre notre ami TJ Dillashaw et qu'ils vont faire le super fight pour Henry Cejudo. Ah, déjà directement?
À mon avis, ça va être le plan. Parce que là, tu peux pas faire un. Déjà, Marlon Moraes, c'est compliqué à vendre. Oui. Si tu fais un Marlon Moraes, Pedro Munoz, tu vois, c'est même léger pour un co-main event de pay-per-view. Enfin, je suis un peu dur, tu vois, mais c'est un peu compliqué. Alors que si tu fais Cerrudo, tu te dis, c'est un combat plus ou moins. Comment dirais-je? C'est compliqué pour lui, mais tu n'as pas ce côté super méga fight. Et tu gardes un peu de côté les noms comme Gavrant, comme Dominic Ouais. Cruz, comme Titus Diashio qui reviendront après. C'est vrai, et en plus de ça, tu te lances toi-même une trame scénaristique intéressante que tu pourras utiliser dans les années à venir, qui est que du coup, si Cerrudo gagne en plus, il devient donc double champion, et la super trame scénaristique, ce sera donc, il est champion en attendant le retour de Dillashaw, et là, l'UFC va pouvoir faire des super promos, les podcasts vont fleurir, tutti quanti. Donc c'est vrai que dans une logique de créer un peu du spectacle, ça aurait du sens que Cerrudo le prenne directement contre Moraes. Et c'est vrai que même du point de vue des fans, finalement, moi j'ai plus envie de le voir qu'un Munoz contre Moraes, c'est vrai. En tout cas, donc Titus Diashio qui connaît une année 2019 Compliqué. particulièrement compliquée, compliqué le bonhomme. Et sinon, autre annonce d'envergure qui ne nous intéresse pas spécialement en France, mais quand même que nous devions mentionner, les pay-per-view aux États-Unis seront disponibles plus que par la plateforme ESPN Plus, donc on a un petit peu parlé avec Paulie Domso. C'est quand même très intéressant de la part de l'UFC parce qu'on voit une nouvelle fois que ce qui intéresse le plus l'organisation, c'est l'argent à défaut de rassembler le plus de fans. Ouais, exactement. Alors là, typiquement, la décision, elle fait un sens, mais c'est genre, c'est biblique tellement ça, c'est comment dire. D'un point de vue mercantile marchand, ils étaient obligés de le faire parce que le deal avec ESPN, pour l'instant là, il a été lancé il y a vraiment peu de temps et je crois même que c'est janvier. Et c'est C'est ça. tellement un succès qu'ils ont déjà renouvelé, déjà ils ont augmenté de 2 ans leur deal qui passe de 5 à 7 ans entre ESPN et l'UFC. Et en plus de ça, ils vont donc tout mettre sur la plateforme ESPN Plus. Et bah clairement, en fait, comme tu le disais, là, c'est le fric avant tout, puisque du coup, les pay-per-view, en gros, tu es obligé de payer un droit d'entrée pour payer le pay-per-view. Alors, C'est magnifique. c'est C'est magique. Alors, magnifique. bon, c'est magnifique. Cependant, il faut quand même dire aussi que tu as un forfait à l'année pour ESPN Plus et qui vaut 50 balles. Et si tu payes 70 balles, tu as 1 an de ESPN Plus et un pay-per-view qui coûte normalement 69 dollars. Donc, ils ont quand même fait une formule Oui. qui fait que tu peux t'y retrouver si tu es un vrai fan. En revanche, si tu es un fan casual, et il y en a vraiment pas mal, occasionnel, et il y en a vraiment pas mal, et ben là, tu vas pas passer par une plateforme intermédiaire. Et donc, ils vont se couper d'une partie des fans. Et ils sont au courant, hein, les gars de l'UFC ont déjà fait comment dire, des publications en disant Oui, qu'ils tout à étaient fait. conscients que c'était un risque financier, mais que, en gros, d'après la balance et d'après leurs calculs et leurs prévisions, ça valait le coup. Mais moi, je pense que ça vaut le coup aussi, parce que Moi c'est vrai que aussi. tu te souviens, quand ils avaient fait le premier pay-per-view, enfin, le premier événement, il y avait eu plus 575 000 personnes qui s'étaient abonnées à ESPN+. Ouais. Déjà, quand tu te dis 575 000 pour un pay-per-view, c'est énorme. Et ça, c'était que les mecs qui s'étaient abonnés à ESPN+ pendant 72 heures. Donc, t'imagines, aujourd'hui, je crois qu'ESPN, ils sont à 1,5 million d'abonnés. Donc, grosso modo, tu as tous les mecs qui regardent, qui ne sont pas casus, plus aussi, je pense qu'ESPN, enfin, l'UFC s'est dit ça. Quand on va faire des énormes combats du type Cormier-Jones, McGregor contre un peu qui tu veux, Ouais. Khabib qui revient, et bah là les mecs, peu importe en fait à quel point c'est difficile de se procurer le pay-per-view, les Ils vont le mecs vont faire. l'acheter. Et ça c'est, en fait je trouve que c'est bien joué, mais c'est quand même, enfin, c'est là que tu vois que les gars se disent bon bah ok, on sait à quel point nos fans apprécient le sport. Bah, c'est un coup de pute, mais d'un autre côté, c'est comment dire, c'est le jeu et c'est vraiment malin d'un point de vue financier. Enfin, c'est clair qu'ils vont s'y retrouver, c'est évident. Après, bah, je suis d'accord avec tout ce que tu viens d'être dit et de toute façon, c'est factuel. En revanche, il y a aussi hein, donc il y a les fans qui les vrais fans apprécieront parce que en plus de ça, vraiment, tu vois, autant on tamponne pas mal l'UFC dès qu'on en a l'occasion, autant il faut quand même vraiment leur rendre. Si tu payes l'ESPN Plus, donc tu auras le droit déjà à une énorme réduction sur un pay-per-view. Et en plus de ça, tu as accès donc à toute la bibliothèque de combats. C'est-à-dire que Et le tout ce qu'il y UFC a Fight sur Pass l'ESPN Plus en plus. et en plus tout ce qui est produit sur l'ESPN Plus. Donc c'est-à-dire que si tu es quand même un fan hardcore de sport de combat de MMA, si tu payes le ESPN Plus, franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc quand même, malgré tout, bon, c'est...
C'est un projet qui est fait pour de toute façon brasser du fric de la part de l'UFC, mais les vrais fans s'y retrouveront. En revanche, je tiens quand même à souligner qu'il y a peut-être, il y en a peut-être qui s'y retrouveront beaucoup moins, c'est les combattants. Oui. Parce et ceux qui ont l'UFC Fight Pass. Et ceux qui ont. Ah ouais, alors eux, mais ils se sont fait. De toute façon, eux, ils se font souiller depuis le début. Oui. Ceux qui ont l'UFC Fight Pass, c'est vraiment. Ouais, ouais, ils, vont, bah, ils sont en classe éco depuis le début et ils grimperont jamais, quoi. Surtout parce que maintenant. On... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Non, bah, moi j'allais juste du coup bah, finir sur le combattant parce que, alors, en comment dire, le pay-per-view fonctionne de telle manière pour eux, pour ceux qui sont suffisamment connus et suffisamment en vue pour les fans, ils sont sur les cartes principales et quand tu es sur une carte principale d'un UFC numéroté et d'un pay-per-view, tu as des parts de ce pay-per-view. Donc tu as vraiment des parts de marché, des parts de par exemple, par 1,5$ par pay-per-view vendu. Voilà, exactement. C'est ce qui se passait jusqu'à maintenant et c'est ce qui vraisemblablement va continuer parce que je ne sais pas comment ils ont fait leur contrat, mais sûrement que ça va continuer et que les gens qui seront sur les pay-per-view, qui ramèneront du pay-per-view, en auront un pourcentage. En revanche, on vient de dire que le fait qu'il y ait une nouvelle barrière à l'entrée avec les $5 par mois pour l'inscription à l'ESPN+, ça veut dire que ça va comment dire, tomber franchement drastiquement le nombre de gens qui vont pouvoir regarder des pay-per-view et qui vont l'acheter dans un premier temps. Et ça veut dire que les combattants, je ne sais pas quelles sont leurs conditions et comment ça va changer, mais si le nombre de gens qui achètent les pay-per-view descend, mais mettons de moitié, eh ben, leur revenu sera aussi diminué de moitié. Et connaissant l'UFC en revanche, pas sûr qu'il leur ait fait des ponts d'or non plus, tu vois. Exactement. J'attends de voir ce qui va se passer, mais à mon avis, ils vont faire home run. Parce que là, je pense qu'en plus, le timing n'est pas anodin. Mon cher Rust. Pourquoi ? Parce que là, il y a l'UFC 236 pardon, qui arrive, où là, ils se disent c'est un petit test, où ils savent que ça va bien fonctionner. Ensuite, ils pourront faire les ajustements avec le 237 qui s'annonce flingué, clairement, oui, comme pay-per-view. Et ensuite, je pense qu'ils annonceront du lourd pour 238, 239 et 239, retour normalement de Conor McGregor. Et là, je pense que bah, ce sera... Ouais, c'est là où l'ESPN Plus, ouais, voilà, le ESPN Plus, ouais, c'est la Formule 1, quoi. Donc, effectivement, bah, j'ai vraiment envie de voir comment ça évolue. D'autant plus que, franchement, alors, le deal est un énorme succès entre ESPN et UFC. Énorme succès. Ah, mais là, c'est vraiment monstrueux. Et beaucoup plus gros, en tout cas, que celui que ce qu'il y avait avec la Fox. Là, franchement, déjà, il y a quand même un énorme différentiel en termes de qualité, il faut l'avouer. C'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus rythmé, les cartes sont moins fluides. Exactement. Ouais, c'est tout est mieux. Vraiment, tout a été changé pour le mieux. Et donc, voilà, bon, tant mieux pour les fans, tant mieux pour tout le monde. Et voilà, quoi. Et sinon, mon cher, ce week-end, il y a un combat qui est complètement... Alors là complètement, je suis... Moi-même, le premier surpris, qui passe complément alimentaire sous les radars, c'est le combat entre Stephen Wonderboy et Anthony Pettis. Parce que quand il a été annoncé, quand ils ont mis le poster, j'étais excité. Et là, ce week-end, lundi, je me suis posé, est-ce qu'il y a un événement ce week-end ? J'ai fait, ah, il y a ça. Mais ça passe complètement inaperçu. Ouais, après, ça peut s'expliquer parce que, bon. Le combat, on sait déjà, premièrement, on ne saura pas s'il sera spectaculaire. Parce que Wonderboy, tout dépend de l'opposition. Et en plus de ça, ce sont quand même des combattants qui ne sont pas non plus sur des énormes séries de victoires. Donc, tu n'as pas cette impression, par exemple, d'un... Même sur une défaite chacun. Une défaite chacun. Et en plus, Anthony Pettis, on sait un peu, on connaît le chemin de croix là, qu'il est en train de vivre en ce moment, où c'est grosso modo une victoire, une défaite, et c'est en piano depuis quelques temps déjà. Et Wonderboy Thompson, pareil. Donc, c'est vrai que... Déjà, il y a le point de vue, tu ne regardes pas quelqu'un qui est sur la pente ascendante ou une star en devenir. C'est pour ça que, par exemple, un Darren Till contre Thompson, ça a eu un tel succès en Angleterre parce que c'était une star montante, le mec était invaincu, etc. Donc, il y avait de l'attrait. Là, c'est vrai que bon, bah, c'est deux mecs qui sont ultra bons et clairement, ça va être un régal du point de vue technique. Mais du point de vue des enjeux, c'est vrai que bah, c'est un peu flingué. Quoi. Ça va être un beau combat, mais il n'y a rien qui est véritablement mis en jeu. Donc, c'est vrai que c'est compréhensible que l'engouement ne soit pas général. Après, bon, intéressant. Enfin, moi, ce qui m'intéresse surtout, hein, je vais l'avouer, c'est de voir Anthony Pettis chez Welterweight. J'ai envie de voir Anthony Pettis sur une série. Comme tu disais, en ce moment, Anthony Pettis, c'est complètement en dents de scie. Et de toute façon, Anthony Pettis, ça reste un nom. Donc, il suffit qu'il enchaîne deux victoires. Peu importe contre qui, il aura un title shot ou un truc assez stylé. Mais j'ai vraiment envie de voir un Anthony Pettis 2.0 parce que
Sa victoire contre Chiesa, elle était impressionnante parce que, un, assez inattendue et puis maîtrisée. Et sa défaite contre Tony Ferguson, bah, c'est pas un combat où il s'est fait bouffer. Non. C'est, comme dirait notre cher Polydomso, Tony Ferguson perdait le combat jusqu'à ce qu'il ne le gagne. Exactement, je l'entends là, je l'entends. Voilà, je l'entends aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, Anthony Pettis, de toute façon, parce que c'est un showman, mais aussi parce que c'est un ancien champion de multiples organisations, etc., c'est vrai qu'il sera toujours vendable. Et pour le coup, alors Jean-Claude il a déjà Vendable. Été... Oh. Pardon. Et c'est vrai, il a déjà été en welterweight une fois pour un combat, il y a quelques années, il avait éclaté le mec en 36 secondes, mais c'était... Tu me balances un cœur, là? Je balance des cœurs, je découvre les touches. Avec un plaisir non dissimulé, que les fans vont voir d'ailleurs, le cœur qui vient d'apparaître, ça va être incroyable, incroyable, vivement dimanche. Et du coup, il a déjà été en welterweight, il a éclaté un mec, mais c'était il y a très longtemps, donc on ne peut rien en déduire, d'autant que c'était en 30 secondes. Alors ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il n'aura donc pas à gérer le weight cut, la pesée, il n'aura pas à cutter beaucoup de poids, un petit peu quand même, parce que c'est un mec qui est aux alentours de 85 kilos dans la vie de tous Exactement. Les jours. Exactement. Donc ce que ça veut dire, c'est déjà cardio illimité pour Anthony Pettis. On sait que pareil Wonderboy, il aura aucun souci avec ça. Qu'est-ce qui te fait marrer quand je dis cardio illimité pour Pettis? Ça se fait vraiment le mec qui joue aux cartes Pokémon, cardio illimité, lance-flamme. Je la place en carte défensive, mais c'est... oui, d'ailleurs ça va être ça pour Wonderboy. Ouais. Mais donc voilà, ça va être. Alors après, cela dit, ça peut être à double tranchant aussi parce que je sais plus quel combattant avait dit ça. Je sais pas si c'est Cormier ou pas, mais en gros qui disait. Mais tu portes tout ce poids avec toi, ouais. Non, c'était pas ça. C'était quand tu cutes du poids et que t'as toute ta semaine qui est organisée autour de cutter du poids. En fait. Ça fait partie de la tradition et ça fait partie de ce que tu fais avant un combat. Oui. Espèce de rituel, oui. Voilà, exactement. C'est une ritualisation de ce que tu fais en avant-combat. Et ce combattant, dont je ne suis pas sûr que ce soit Cormier, je ne sais plus qui c'était, disait que quand tu n'as pas ça, ça peut complètement te foutre en l'air une préparation parce que tu n'as pas l'habitude et ton cerveau n'arrive pas à se mettre en mode combat. Ça a l'air d'être un détail, mais pour la personne qui le disait, bah, visiblement en fantomatique, parce que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, apparemment, ça a vraiment eu un impact. Donc, y a ça qui peut jouer en double tranchant. Après, cela dit, si on peut faire du coup une très rapide analyse, bon, on ne va pas non plus se leurrer. Wonderboy est plus grand, il a plus d'allonge. Son style entier est basé autour de rester à distance, s'évader en toute situation et prendre le moins de risques possible avec surtout des attaques à longue distance. Avec une posture qui le rend extrêmement compliqué à toucher. Extrêmement compliqué à toucher. Alors, certes, Anthony Pettis vient du taekwondo. C'est un mec qui est connu pour son striking. Mais Wonderboy est quand même très rapide, très précis, puissant, quoi qu'on en dise. Et gestionnaire, fin gestionnaire aussi. Fin gestionnaire. Et j'ai du mal, je ne sais pas dans quelle forme arrivera Pettis, et j'ai du mal à voir Pettis dépasser Wonderboy Thompson. Ce n'est pas en dehors du domaine des possibilités, parce qu'il peut, déjà, Anthony Pettis, dans son coin, dans son corner, a quand même Duke Rufus, qui est quand même un très, très, très grand entraîneur en termes de striking. Donc, ils auront une stratégie aux petits oignons. Après, comme dirait Tyson, tout le monde a une stratégie jusqu'à ce qu'ils se prennent, une droite, plus en plus grand. Donc on verra comment ça se passe, mais quand même tout semble indiquer, tous les indicateurs semblent pointer vers Wonderboy qui gère, peut-être arrive à trouver une ouverture à un moment donné, mais dans tous les cas gagne le combat. Ouais, je vois Wonderboy par décision, et pour moi si Pettis gagne, ce sera sur une espèce d'explosion à la Pettis où il arrive à toucher, il peut pour moi que s'imposer par KO. Ouais, il peut que s'imposer par KO. C'est vrai que j'ai du mal aussi à le voir gagner par décision si ça y va. Il peut aussi gagner par soumission. Par soumission, ouais, je me disais aussi. Il a un très très gros ground game. Ouais. Son grappling est franchement élite de l'élite. On l'a vu maintes fois contre Benson Anderson, Chiesa. Il a gagné par soumission. Chiesa, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Mais après, le truc, c'est que Chiesa a été sûr de ses forces et s'est dit c'est moi qui vais gagner ce combat par soumission. Wonderboy, je pense, va être tellement vigilant et à mon avis.
À moins qu'il y ait un knockdown, le combat n'ira pas au sol. Enfin, je Et pense en pas. plus, alors c'est vrai que si il peut le surprendre, Pettis, sur une séquence, parce que les deux s'attendent à du combat debout, Tout à fait. mais il a déjà combattu des lutteurs quand même, comment dire, Wonderboy Thompson, il a quand même combattu des gros et des extrêmement bons lutteurs, et je vois mal Pettis le surprendre dans ce domaine. Donc, ça va être très compliqué, mais après, on ne sait pas, c'est-à-dire que d'un autre côté, on peut aussi le voir de l'autre côté du miroir, c'est que Pettis n'a jamais pu montrer ce qu'il savait faire contre quelqu'un comme Wonderboy Thompson. Il a un énorme background d'artiste martial traditionnel aussi, Anthony Pettis, donc il peut très bien nous surprendre parce qu'on ne sait pas ce qu'il donne contre ce type d'adversaire. Donc, il y a des inconnus, ça peut, c'est excitant parce qu'il y a des inconnus, mais elles sont quand même minimes et tout semble indiquer une croisière de Thompson. Allez, bim, bam, boum. On va pas, ouais, on va pas la suite, vous la connaissez. La suite, vous la connaissez. On va répondre à quelques questions, parce que vous pouvez nous poser des questions sur Instagram, en base la sueur. Merci, ça nous fait très plaisir. On en a de plus en plus, et franchement, Ross, nous sommes ravis. Donc, on va prendre un peu d'avance sur dimanche, parce que dimanche, chaque dimanche, le trio de l'enfer se réunit pour répondre à vos questions. Donc, Guilhem, qui nous pose une question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, et puis un sujet à gratter pour la suite. Bonjour, pour faire suite à votre conversation sur la nouvelle génération qui peine à percer dans le podcast sur Thiel, Masvidal, je me permets de faire remarquer que cette situation n'est pas nouvelle. Souvenons-nous, par exemple, souvenons-nous pour prendre un exemple significatif du jeune Saint-Pierre contre le vétéran Matthews en 2004. De plus, certains jeunes semblent bien lancés comme Israël Adesanya, Johnny Walker, pour ne citer que, au plaisir de voir le sujet revenir dans les débats. Salutations, merci Guilhem. Bah, pour moi, c'était peut-être évidemment qu'il y a toujours des jeunes qui viennent. Nous, on pointait plus du doigt, je pense que tu vas être d'accord là-dessus, mon cher Rust, le matchmaking de l'UFC que les jeunes qui se prennent des énormes toises par des vétérans qu'on a encore sous la semelle. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a une part de match. Alors, il y a une part de matchmaking qui est claire. C'est vrai que on citait par exemple la dernière fois l'exemple de Yair Rodriguez contre Frankie Edgar. Bon, voilà, clairement, c'était un mismatch. C'était vraiment un mismatch évident. Mais d'un autre côté, ça semble quand même être une tendance. Et même si je suis d'accord du coup avec l'internaute Guilhem. Guilhem, c'est ça. C'est vrai qu'il y a eu des précédents. Après, l'exemple de Saint-Pierre, il est carrément cohérent. Mais d'un autre côté. Quand il a combattu Matt Hughes, comment dire, si je me souviens bien, il faisait vraiment pas mauvaise figure, et c'est juste que, comme il l'a dit après, il était tellement les yeux dans les bleus devant Matt Hughes que sa performance a été vraiment, comment dire, n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu faire et de son potentiel, et il l'a prouvé dès le deuxième combat ensuite, qu'il a fait, je sais plus contre qui c'était, mais qu'il a gagné, et ensuite il est parti sur son run où il a gagné le titre ensuite contre ce même Matt Hughes. Mais là, c'est vraiment, comment dire, là c'est généralisé en fait. C'est ça, c'est, le sentiment est généralisé dans toutes les catégories et vraiment, j'ai pas eu cette impression dans la période à laquelle il fait référence. Là, clairement, on donne l'impression de brasser de l'air chaud. Et c'est vraiment pas. On se base pas sur des stats, on se base pas sur des faits. Oui. Et c'est une impression, c'est quelque chose. C'est, voilà. Bah, il suffit qu'il y ait trois grands espoirs qui se prennent des toises pour que les arbres, finalement, cachent la forêt, cette forêt de talent. Enfin, exactement. Ouais. Enfin, donc, bon. Il faudrait juste des statistiques en fait. C'est-à-dire exactement. Il faudrait. Guilhem, on t'attend. On attend tes stats. Merci beaucoup. Ouais. Alors, question de Michael. Salut à vous. Je kiffe vos vidéos longues du dimanche à 3. C'est top. Et j'ai une question. Et nous aussi, on kiffe. Que pensez-vous du combat Gustafsson-Smith et quel avenir pour Gus s'il gagne, sachant qu'il a déjà perdu 3 title shots, dont 2 contre Jones? Et bah, c'est une très bonne question, Michael, parce que je pense que tout le monde se la pose, même l'UFC, parce qu'ils sont, à mon avis, désespérés de ce mec-là, dans le sens où bah, aujourd'hui, on voit clairement que, et c'est ce qu'on avait dit avant title shot, avant ces combats, c'est t'as Jones, t'as Cormier, t'as Gustafsson et t'as tout le reste de la catégorie pour l'instant. Et c'est très compliqué pour Gus. Ouais, c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué pour Gus. Et en plus, c'est vrai que il a donc déjà tout fait dans cette catégorie. Il a eu toutes ses opportunités contre divers champions. Il a jamais réussi à les concrétiser. Mais il est au plus haut niveau à part ça. Bon, il se prend quand même des ogives par les Anthony Johnson de ce monde. Mais maintenant, très franchement, à moins qu'il ne reste erré un peu dans la catégorie, il aurait surtout tout intérêt à monter en poids lourd. En fait,
Je pense qu'il en a la morphologie. Je pense que s'il le fait correctement, il aurait vraiment quelque chose de très, très intéressant à proposer en poids lourd. Mais là, c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre sa logique, en fait. Je pense, très franchement, je pense qu'il est proche de la retraite, Gustafsson. Il n'est pas nécessairement très vieux, mais c'est parce que je pense qu'il est proche de la retraite. Il le sait. Peut-être même qu'il a derrière la tête l'idée de finir rapidement son contrat et d'aller faire de l'argent dans d'autres organisations. Je ne sais pas vraiment, mais il y a un arrière-goût de sapin un petit peu quand même. Il y a un petit arrière-goût de c'est terminé, on engrange, on fait des combats pour le fun, mais il a toujours eu un peu ce, comment dire, Gustafsson dans les interviews qu'il donnait contre John Jones, les interviews qu'il donnait contre Cormier, etc. Il a toujours beaucoup douté, il n'a jamais été vraiment sûr de ce qu'il faisait, etc. Tu n'as pas l'impression vraiment d'un champion dont le chemin est clair et défini. Donc, c'est un peu, ça restera un peu le poulie d'or du MMA international. Mais voilà, je pense que c'est bientôt fini pour Gustafsson. Oh, shouldn't be done, Fergus. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que déjà, il combat à raison d'une fois par an quand tout se passe bien. Effectivement, un pied dehors, ce cher Gus. Bon, bah, mon cher Rust, on va se dire au revoir et puis à dimanche Et à pour du dimanche, hein. lourd. Allez, à dimanche prochain. À dimanche Enfin, prochain. soit.